change the world forever. Vous me prenez pour votre concierge. Il y a une lettre pour vous sur le bureau. Mais normalement, c'est la dernière, oncle Gamnel. Voilà, des amis de bas de l'échelle. On l'accepte. Et on va aller voir. Carver, toi et moi, on va y aller. Avec l'équipe qui ira descendre, justement. Enfin, plus précisément, ça va se passer comme ça. Parce que Varys sera automatiquement dans l'équipe. Donc ensuite, je choisis Carver et ensuite, je choisis Anders. Allons-y. Justement, lui, il faudrait que je pense à augmenter son amitié. Si je peux le faire, autant le faire. Je vais augmenter sa volonté. Eh ben, on va continuer d'abord sur les pouvoirs de soins et tout ça et compagnie, hein. Tu m'excuseras, mais tes histoires de vengeance et tout, on verra ça plus tard. Et voilà notre interlocuteur. Tiens, tiens. L'homme dont tout le monde parle. Je vous connais. Moi, je le connais. Je croyais que Bartrand vous avait dit de ficher le camp, Dougal. Du calme, Varric. Je voulais juste rencontrer le nouvel associé de votre frère. Oui, Bartrand a tout fait pour que j'accepte de l'aider. Et c'est de ça dont je souhaite vous parler. Dougal est un des ex-associés de mon cher frère. Bartrand a refusé mon aide alors que j'avais l'argent nécessaire. Mais je pense toujours que cette aventure est prometteuse. L'imbécile refuse de me laisser investir. Mais si quelqu'un comme vous investissait pour moi... Bartrand cherchait désespérément de l'aide. Il devait avoir une bonne raison de refuser la vôtre. En effet, nous avons eu un... désaccord. Ils ont essayé de s'entretuer. Vous connaissez Bartrand, non? Alors vous savez qu'il faudrait la patience d'un bronto pour ne pas avoir envie de le tuer. Mais ce qui est fait est fait. Maintenant il refuse de prendre mon argent par fierté. Même si cela doit causer sa perte. De quel type de désaccord s'agit-il? Je vous donne ce dont Bartrand a besoin. Bartrand pensera que c'est votre argent. Et après l'expédition, vous me rendrez le double. Qu'en pensez-vous? Difficile à dire. Dougal ne m'a jamais fait de mal. Vous voyez, quand vous voulez. Je ne vous fais pas confiance pour autant. Vous êtes aussi fourbe que mon frère et il n'y a pas les liens du sang pour faire passer la pilule. Faites ce que vous voulez. Je suis venu vous voir, pas lui. Mais nous avons besoin de l'argent. Pourquoi pas? Je ne sais pas dire non à un marché louche. C'est risqué, mais que faire d'autre? On en a besoin. Merveilleux. Dites à Bartrand que l'argent arrive. Je lui ferai livrer, discrètement. Bonne chance pour votre expédition. Nous nous reverrons. Et voilà. 5 points de plus. Et c'en est terminé avec les quêtes avec Carver. Ouais! Donc il ne nous reste plus que bah, l'expédition pour lui, hein, évidemment. Mais surtout. Il faut que je fasse la mine d'os, le premier sacrifice, et donc la quête de l'herboriste. C'est tout ce qu'il nous reste à faire en fait. J'ai combien d'argent sur moi là? Puisqu'il me dit que j'ai plus l'argent là, plus les 50 souverains. Bah si, je les ai toujours les 50 souverains. Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Enfin bref. Donc je vais me rendre chez Gamelin. Et de là, bah, je choisirai les compagnons qu'il faut pour la prochaine quête, à savoir la mine d'os. On va commencer par ça. Je l'aime bien, cette quête-là. Je sais qu'il faudra Varric. C'est déjà un bon début, mais il me faut le reste. Et voilà donc notre équipe pour la mine d'os. Quoi, il nous reste... J'ai entendu beaucoup de bien à votre sujet, Ander. Je ne m'y attendais pas. Pour un mage, vous voulez dire? Je n'ai rien dit de tel. Et comment me jugeriez-vous, alors? À part ça... Qu'est-ce qui me caractérise? Je ne sais pas. Vous êtes comme les autres Féreldiens qui croupissent dans sombres rues, mages ou non. Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bon, le truc, c'est qu'il faut savoir qu'après, je vais me balader sur les maps. Déjà pour dégoter les autres groupes de mercenaires, etc., que je dois démanteler dans la ville. Mais il y a aussi. Ah, je vais y arriver. Il y a aussi les conversations, voilà, les conversations entre les personnages que je veux absolument que vous entendez, quoi. Simplement. Bref, allons-y pour Hubert. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec la mine d'os. Je peux vous aider ? Ah, enfin quelqu'un venu pour m'aider. Vous n'avez pas l'air expérimenté, mais vous devriez faire l'affaire. J'ai dû suspendre les opérations. Mes employés se sont perdus dans les mines ou se sont enfuis. Voilà ce qu'on gagne à employer des réfugiés féreldiens. J'en ai envoyé d'autres avant vous, mais pas de nouvelles. Ils essaient peut-être de me décourager. J'ai besoin de quelqu'un de compétent pour découvrir ce qui se passe. Votre première erreur a été d'appeler cette mine la mine d'os. Ce sont les gens du coin qui lui ont donné ce nom. Ces imbéciles disent qu'elle est maudite. C'est pour ça que j'engage des féreldiens. Ils sont un peu lents, mais ils ne sont pas superstitieux. Faites attention à ce que vous dites sur mes compatriotes. Je ne faisais pas référence à vous, bien sûr. Mes employés sont du genre très désespérés. Ils ont de la chance de travailler pour moi. On n'emploie pas beaucoup de réfugiés à Kirkwall. Les mineurs avaient sûrement une bonne raison de partir. Je ne comprends plus rien. Aucun mineur ne s'est manifesté et personne ne me prend au sérieux. La mine d'os doit être dangereuse pour que les gens aient peur de s'y aventurer. Non, rien de tout ça. Ne faites pas attention aux superstitions locales. La mine d'os est presque sans danger. Oui, presque. Vous dites que certains de vos travailleurs sont féreldiens ? Oui, tous. Une bande d'indisciplinés, pour sûr. Oui. Et il est vraiment sympa comme gars, hein ? Quelle est la récompense ? Je vous paierai généreusement. Le montant dépendra du danger que vous affronterez. Ok. Je m'y rendrai bientôt. Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour chômé dans la mine me coûte plus cher que la paye annuelle de ces mineurs. La mine d'os est à la sortie de la ville. Vous la trouverez sur n'importe quelle carte. Allons-y. Ah, d'abord, c'est vrai. Aveline, il faut augmenter. Voilà. Et c'est parti pour la mine d'os. On va souvent y aller, vous allez voir. Les mineurs d'Hubert doivent être vraiment désespérés pour travailler ici. Je suis bien d'accord, parce que vu l'ambiance de l'endroit... encore une mini-quête à rapporter. Un lieu d'esclavage et de nécessité. Kirkwall n'aurait pu exister sans ces mines. Si tu le dis. Oh, qu'est-ce que je me souviens de cette zone. Oh là là. C'est ici qu'on aura un des éléments endgame. Enfin, un des morceaux de l'armure endgame. Un combat terrible nous y attendra. Mais nous n'y sommes pas encore. Ça s'est fait. Donc pour l'instant, vous voyez, on peut pas s'y rendre. Parce que ce sera pour le endgame, enfin pour l'élément de tenue endgame. Mais sinon, ça reste bloqué jusqu'à nouvel ordre.
Non mais quel endroit charmant, on entendait de l'eau, on a des bandits, on a même des trucs peut-être plus puissants que ça, hein, s'il faut. Hein. Un truc qui serait tellement puissant que ça justifierait le fait qu'à un moment donné, il faudra qu'on récupère un élément d'une tenue endgame dans un jeu, n'est-ce pas? Ah, j'en ai peur, rien que d'y repenser. Et en plus, on l'entend, cette bestiole, on l'entend déjà. Tiens, c'est vrai, il y a le mystère de Corcoal. Ouais, faudra que je fasse ça, tiens. C'est juste pour un succès, hein, mais c'est toujours bon à prendre, quoi. Comme ça, on n'aura vraiment rien laissé au hasard. Oh, le fait qu'on entend déjà cette sale bête. Ah, ça suffit à me faire un frisson des dans le dos. Des générations d'esclaves sont mortes dans cette mine. Je les entends encore réclamer justice. Alors non, c'est pas le cri des esclaves morts, crois-moi. C'est tout autre chose qu'on entend. Quand je raconterai comment j'ai combattu ces dragons, ils seront trois fois plus grands. Est-ce que tu pourrais d'abord te concentrer sur notre survie et après sur l'éventualité de notre réputation ? Que faire. Priorité sur cette équipe. Bon bah ça va, pas de problème, on gère les bébêtes. Enfin, du moins les bêtes qui font cette taille là, c'est notre maximum, à l'heure actuelle. Pas de danger, hein, qui disait l'autre. Faudra qu'on voie quelle est sa définition de pas de danger. Enfin, presque pas de danger. Ok. C'est l'heure d'envoyer la puissance. Aïe, aïe. Est-ce que l'on m'appelle Hanson? Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu gardais une porte qui avait un tonneau et dans ce tonneau il y avait une ceinture. Il faut bien commencer à défendre un trésor, peu importe lequel. Et puis c'est des dragonneaux, donc des bébés dragons, donc ils savent pas vraiment ce qu'ils défendent.
On peut les excuser. Poussez-vous. Laissez passer. Bien quand on avance, vous trouvez pas? On fait des trucs, on fait des petites balles là. Alors vraiment nous dire combien de ces retardataires. Là, un truc à fouiller. Je veux le truc à fouiller. Merci. Ah, bonjour. Loué soit Andraste pour votre venue. Les dragons m'auraient flairé, c'est sûr. Une seconde. Qu'est-il arrivé ici? Je vais vous dire ce que je peux. Mais prudence, parlez à voix basse. Il y a un autre dragon tout près. D'où viennent ces dragons? Nous creusions un nouveau tunnel quand le mur s'est effondré. Les dragons en sont sortis. C'était un véritable massacre. J'ai couru comme si j'avais le feu aux fesses. Je l'avais sûrement, en fait. Mais j'ai pris le mauvais chemin et j'ai été pris au piège ici. D'autres ont réussi à s'échapper? Quelques-uns de mes compagnons ont couru vers la surface. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Vous devriez y aller. Ne vous faites pas dévorer. Il ne faut pas me le dire deux fois. Vous devriez partir également. Mais n'allez pas par là. Il y a un énorme dragon. Ah, je me demandais si les dragons avaient quitté le nid seul. Eh ben, on va se jeter dedans! Hein ? Quoi de mieux que d'affronter un plus gros dragon ? Non mais c'est vrai, jusque là, on a affronté des petits dragons, mais on peut peut-être essayer un plus gros. Oui, je sais, j'ai dit tout à l'heure qu'on était à notre maximum, mais... Si dans la vie, on n'accepte pas de se lancer des défis, alors on n'avancera jamais. Voilà. Telle est la sainte parole de Valmar. Notez-la quelque part, sur un papier. C'est ce qu'on écrira sur mon épitaphe. À penser qu'il pouvait vaincre un dragon plus puissant que son propre niveau. Allons-y. Ah oui! Un peu plus gros, c'est vrai. Et oui, je sais, quand je parlais de l'épithète, là, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Mais de toute façon, le Valmar n'a jamais su parler correctement français. Vous avez jamais remarqué? Bien que là, vous voyez, je bégaye tous ces compagnies. Le dragon adulte. Avec mon feu, je ne pourrai lui faire plus grand dégât. Aïe. Oui, ça a bugué. Ça a bugué, même sévère. Donc écoutez, je vais rester bien loin du truc. J'ai l'impression que c'est parce que j'étais proche de lui. Le jeu avait planté à cause de ça. Et voilà. Nous avons vaincu et nous avons récupéré le dernier élément de la quête de l'Hierporis. Je sauvegarde. Ouais, il n'a pas trop apprécié que je sois là parce que, je rappelle, c'est encore la zone où on va affronter un boss assez puissant
qui va nous permettre d'avoir un élément de la tenue endgame. Enfin, de l'armure endgame de notre personnage. Donc, comment dire ? C'est un petit peu... Voilà. Disons que ça n'a pas trop apprécié. Allez, hop. Je me rends à la potence. Pour commencer. Ah oui, c'est vrai, j'ai récupéré des trucs. Bah, on ira faire ça avant d'aller parler à l'autre, là. Et je peux garder le même groupe pour... comment ça s'appelle ? Pour aller faire l'autre mission. Ce que je ferai, donc. Je pourrais avoir besoin de votre aide, Ander. Venez me voir à Sombre Rue et je vous donnerai un baume quelconque. Quoi ? Non. J'aimerais en savoir plus sur les mages. Pourquoi ? Je suis une garde. Quand il y a un problème, je suis en première ligne. Vous voulez que je vous aide à tuer des gens comme moi ? On ne peut pas faire confiance à tous les mages. Ni à tous les gardes. À un moment donné, vous voulez pas vous mettre sur une égalité, hein ? Ça, je vais le garder parce que c'est ce que m'a donné l'autre. De santé, mage du champ. Oh, pourrait être intéressant ça pour moi. Donc lui, il n'y a rien à me donner de plus. Faudrait que je revoie tous les marchands pour être sûr que j'ai rien raté avec aucun d'entre eux. Tiens, bonjour ma grande. Vous auriez dû nous tuer dans les cavernes. Ouais, je suis sûr que tu m'en veux à mort. Salut Vitus. Vous avez réussi à ramener tout ce qu'il y avait sur la liste. Je me mets au travail sans tarder. Oh, et tenez, voici la récompense promise. C'est toujours mieux que rien. Pourquoi je garde la grâce rouge, vous vous demandez ? Bah pour la donner à Carver pour la fin, j'aimerais récupérer l'épée qu'il a. Potion de récupération. Qu'est-ce que c'est déjà une potion de récupération ? Oh, bienvenue chez Sol. Quelqu'un a encore mis du fumier dedans. Encore une sale blague d'apprenti, je vois. Elle respire la joie, celle-là. Bon. Comme j'ai dit, il y a aussi le mystère de Corkwalk. Il faudrait que je trouve le dernier élément qui doit me manquer, normalement. Si j'ai bien compté, il m'en manque plus qu'un seul. Oh, je le ferai juste après l'émission, hein. Je peux toujours regarder, comme j'ai dit, avec les sites que j'ai, hein. Allez, on va d'abord rendre les trucs aux autres. Ils ont choisi une prison pour loger leurs mages, et je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Eh, on voit au fond là-bas la potence, hein, donc la fameuse prison pour les mages. Enfin, pour... À la base, c'était pour les esclaves, ensuite c'est devenu le cercle des mages, mais comme le dit si bien Anders, c'est devenu plus une prison pour mages que pour qu'un véritable cercle, puisque les Templiers ont la mainmise et que Meredith, la chef des Templiers ici, n'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire des plus sympas avec eux. Ferelden, j'ai trouvé ceci. Évidemment. Ça vous dit quelque chose ? J'y ai toujours vécu. Il y a longtemps que je ne serais jamais parti moi-même. Quel bonheur. Mais je refuse de répéter les erreurs de mon père en passant ma vie à essayer de revivre le passé. Non, on a déjà eu cette conversation. Je n'ai jamais imaginé qu'une fois parti, je viendrais à regretter Ferelden. Après tout, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi ? Et pourtant, j'y pense souvent. Il y a quelque chose ici qui me laisse perplexe. Vous voulez parler de la manière dont sont traités les mages ? Non. Ça manque de crottes de chien. Voilà, c'était la petite blague. Ta-ta-ta-ta-la-la. Vous cherchez quelque chose de spécial sur le marché ? Bah écoute, dis-moi ce que t'as à vendre et on verra bien. Je commence à en avoir un petit peu marre de cet autre bug qui fait que ça répète deux fois les mêmes trucs.
C'est peut-être à cause de ça que ça a bugué le combat. Peut-être qu'en fait il essayait de lancer à nouveau la cinématique et il n'y arrivait pas. Oh là là. Vraiment, vous pourrez faire un petit effort sur vos jeux que vous vendez sur Origin. Vous pouvez essayer au moins de vous assurer que vous les patchez toujours. Même ceux qui ne se vendent plus encore aujourd'hui. Hein ? On parle quand même des Dragon Age, une licence phare de votre édition, enfin de vos éditions, puisque vous n'êtes pas les développeurs. C'est BioWare qui s'occupe des patchs, tout ça, etc. Mais vous êtes quand même l'éditeur, donc celui qui fait la vente. Donc vous pourriez quand même vérifier, quoi. Enfin, tu me diras, vu dans l'état dans lequel est BioWare en ce moment, on devrait peut-être pas les embêter avec des histoires comme Dragon Age 2. Si vous allez au tréfonds, alors vous avez assez d'argent pour réussir. Oui, j'ai assez d'argent, mais je n'ai toujours pas fini mes quêtes. Je fais d'abord mes quêtes et après je verrai pour le reste. Ah oh bah tiens, c'est du côté d'Aveline. Le vicomte doit être terriblement occupé. Le camp n'est pas très confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai envie de me trouver. Bonjour l'ami. Je crois que vous avez égaré ceci. Je ne m'attendais plus à revoir ceci. Merci du fond du cœur. Bon, niveau quête. Eh ouais, c'est tout ce qui me reste. Ah, je suis content. Enfin, je vois le bout des quêtes. Et ça, c'est pour l'acte 1. Alors imaginez l'acte 2 et l'acte 3. C'est pas le plus long des Dragon Age, mais il est suffisamment long quand même. Et vu que c'est le moins long, je vous laisse imaginer la longueur de durée qu'est Dragon Age Origins et Dragon Age Inquisition. Toutes ces tentatives pour essayer de refaire, le succès de Skyrim. Faut vraiment que ceux qui créent des RPG arrêtent avec cette idée d'essayer de recréer le succès de machin, ça, etc. Sérieusement. En fait, même tous les créateurs de jeux vidéo doivent arrêter d'essayer de copier le succès de machin ou de truc. Parce que ça marche jamais. Ce qui marche, c'est justement qu'ils ont créé quelque chose qui sort de l'ordinaire. Juste copier le truc, ça sert à rien, hein. Donc voilà. Je vais aller à la chanterie, tiens, pour voir si Sœur Pétrite est, est là-bas. Il y a la grande prêtresse. Est-ce qu'elle nous dit toujours la même chose? Parce que normalement, la phrase qu'elle a dite tout à l'heure, qu'elle avait dit lorsqu'on était allé la revoir et qu'elle nous avait dit qu'il y a eu un meurtre ici, c'est en fait une phrase qu'elle répète qu'à partir de l'acte 2. Je pense que vous avez réuni assez d'argent pour participer à l'expédition. Allons voir mon frère. La présence des Kunari suscite une controverse sans précédent au sein de la chanterie. Ah, mais elle veut plus me parler parce que... Bah oui, oui, et oui. Nombre de nos frères et sœurs prennent le problème Kunari trop à cœur. Le créateur nous les a envoyés pour que nous en tirions une leçon. Bah oui, j'ai clairement dit que je n'étais pas croyant en disant que c'est pas le créateur qui a sauvé le monde avec l'enclin, tout ça, etc. Salut Sébastien, ça va comme tu veux ? Puissiez-vous entendre les murmures de mon cœur, épouse du Créateur. Veillez sur ma famille, Andraste, car elle se trouve désormais à vos côtés. Je rappelle, Andraste, c'est juste en fait une femme qui disait « Ouais, en fait, le Créateur et moi, on a décidé de se marier, donc je suis l'épouse du Créateur, donc je lève une armée, donc les ancêtres des Templiers, quoi, et on va aller chasser les mages de l'Empire de Tevinter. » Donc elle a réussi, on va dire, plus ou moins à gagner la guerre, et elle a créé donc la chanterie. Où les femmes ont des responsabilités assez importantes, ça, etc. Blablabla. Bon, bref. Donc voilà, et où elle s'est littéralement dit être l'épouse du créateur, et lorsqu'elle est morte, ses cendres ont été gardées et conservées dans une urne spéciale qui ont rendu ses cendres elles sont utiles pour guérir toutes les maladies et toutes les choses qui peuvent nous affecter, aussi bien magiques que maladies. Donc voilà quoi. Bref. Donc c'est juste en fait une meuf qui a dit « Ouais, je suis l'épouse du créateur, suivez-moi tous. » Donc voilà quoi. On peut pas tellement dire que voilà quoi. C'est littéralement elle qui s'est dit « Je suis la prophète, suivez-moi tous et obéissez. » Donc voilà. Pas étonnant qu'après elle a créé les Templiers pour surveiller les mages. Hein, puisqu'elle avait beau dire « Ouais, non, mais je suis d'accord pour l'égalité avec les mages et tout, mais on va quand même les enfermer dans des endroits où on pourra les surveiller avec mes Templiers. Allez, hop, on fait ça. »
Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'image de quel genre de femme elle était. Quelque part, elle est proche de Meredith, mais en moins... En moins autoritaire que Meredith. Parce que Andraste, elle essayait quand même de trouver un équilibre avec les mages, en les enfermant, mais elle essayait quand même de trouver un équilibre. Là où Meredith, pour elle, tous les mages doivent être apaisés, et hop là, le problème est réglé, quoi. Donc voilà. Pour Meredith, c'était le contrôle total. Pour Andraste, c'était juste le contrôle. Ça lui suffisait amplement pour elle. Mais les deux femmes se ressemblent assez, donc voilà, quoi. Bref. Bien sûr, l'idée, c'est que toutes les... comment on appelle ça ? Toutes les religions de l'univers de Dragon Age ont leur bon côté ainsi que leur mauvais côté, et ainsi on peut en débattre. Et parler donc de religion sans que ça devienne problématique, etc. Parce que ce sont des religions fictives. Certes, la chanterie pourrait se rapprocher de l'église, dans le point de vue de l'Inquisition, tout ça, etc. Mais c'est pas vraiment ça. Surtout que l'Inquisition dans l'univers de Dragon Age peut avoir quand même pas mal de différences avec l'Inquisition que nous, on connaît. Hein. Donc voilà quoi. Bref. Enfin, qu'on a connu, plutôt. Parce que maintenant, c'est terminé, toutes ces histoires, et heureusement. Donc voilà. Bref, Hubert, on a terminé notre mission. Tu passes boire un verre à l'auberge du pendu après ton service ? Compte sur moi. J'ai résolu votre problème. Alors, que s'est-il passé ? L'un des mineurs m'a dit que vous l'aviez sauvé des dragons. Je lui ai fait payer ce mensonge. Pourtant, il disait vrai. Allez-y et voyez les cadavres par vous-même. Mais je croyais qu'ils avaient disparu. Je vous crois. Vous les avez tous tués de nouveau ? Si l'endroit est sûr, les mineurs peuvent se remettre au travail. J'imagine que leur première tâche sera de nettoyer les entrailles de l'équipe précédente. Un tueur de dragons et un prophète. Merveilleux. Discutons de votre salaire. Vous avez été d'une grande aide. Vous avez fait bien plus que ce que j'espérais. Que diriez-vous d'une collaboration ? Je vous propose la moitié de la mine. Vous ferez de nous des gens riches en assurant la sécurité de vos compatriotes. Pourquoi me proposer la moitié de votre affaire ? J'ai passé 10 ans à aiguiser mon talent pour les affaires à Val-Royau. J'ai même vendu une assise rembourrée à l'impératrice Sélène. Pour faire simple, j'ai un bon pressentiment. Alors, qu'en dites-vous ? Il faut accepter pour qu'on puisse avoir la suite des quêtes avec la mine d'os. Pour finalement affronter le boss qu'on doit affronter pour récupérer un des éléments de l'armure endgame. Mais je veux dire, je le ferai pour les mineurs. Comme ça, on reste un peu le gars qui... voilà quoi. Les mineurs pourraient avoir besoin de protection et d'un représentant. Premier ordre du jour, remplacer les travailleurs disparus. Je vais recruter de nouveaux bras. Les Féreldiens désespérés ne manquent pas, mais cela prendra un peu de temps. Vous devez convaincre les mineurs survivants d'y retourner. Ils sont terrés dans la basse ville. Dites-leur que la mine d'os est de nouveau sûre. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, et 5 petits points de plus avec Aveline. Avec Varric, ouais, ça va, niveau points, comme je vous ai dit, on va facilement en gagner avec lui. Allez hop, on y va. Je ne tiens pas à parler de ma vie privée. Quand vous voudrez voir mes articles... Ouais, bah justement, je veux aller voir tes articles. Qu'est-ce que tu vends ? Rien du tout. Ok, je note bien. Tu n'as rien à me vendre. Oh, c'est vrai, j'ai complètement oublié de voir au comptoir s'il y avait... Il y a probablement rien de nouveau, mais on va quand même vérifier. Et ça va, hein, je peux pas non plus tout savoir. Hein. Je peux pas non plus me souvenir de tout, donc ça va, je peux quand même essayer de vérifier. Hein, qu'ils ont rien d'autre à vendre qui aurait pu popper entre temps.
Allez les gars, faut retourner au boulot. Je sais, c'est pas marrant, personne n'a envie, moi le premier, mais bon. Hein, parce que je rappelle la Windows, le boss de l'acte 3, etc. Hein, ça va être une vraie plaie ce truc. Tac, 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 tac. Donc vraiment rien de nouveau. Ok. Au moins on en est sûr. Ici, il n'y a donc rien. Je vais bien vérifier qu'il n'y a vraiment rien d'autre que je pourrais éventuellement rater. Normalement, j'ai déjà fouillé les zones, mais sait-on jamais des fois que... Salut les gars, je suis votre nouveau représentant pour la mine d'os. Voilà. Eh, hey, c'est la personne qui m'a sauvé des dragons. Un citoyen de Ferelden, rien que ça. Mille merci d'avoir sauvé ce bon à rien de Janssen. Bon à rien, moi? Ma ferme a approvisionné la moitié des marches du sud en aubergines. Ah ouais? La mienne d'aubergine a approvisionné la moitié des marches du sud en bâtard. Vous êtes un véritable héros. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Filez à la mine, je vais finir ces pintes pour vous. Retournez dans ce trou? J'ai besoin d'argent, pas d'être le dîner d'un maudit dragon. Et si les dragons reviennent? Ou quelque chose de pire comme de très gros dragons? Si je rentre voir ma femme sans ce travail, elle me réduira en cendres aussi vite qu'un dragon. Que pouvons-nous faire? Ce fumier d'Hubert est le seul à bien vouloir nous engager. Bon, que diriez-vous d'une augmentation? Vous y retourneriez pour le double de votre précédent salaire? Waouh! Eh bien... Par la cinq culottes d'Andraste, Janssen! Accepte! On pourra noyer notre chagrin tous les soirs avec autre chose que cette vinasse de la sombre rue! Au travail, les gars! Allons vider un peu plus les poches d'Hubert! Et voilà. J'ai plus qu'à retourner voir Hubert. De toute façon, c'est dans la même direction que pour la dernière quête qui nous reste à faire. Après quoi, il reste plus que normalement les conversations entre les personnages. Et puis, normalement, ça devrait aller. Et de là, ouais, on pourra dire qu'on aura fait le tour. Pour cette session, en tout cas. Je pourrais tellement faire l'acte... Finir l'acte 1 aujourd'hui. Ouais, mais j'ai des rendez-vous, il y a des gens qui m'attendent ce soir. Oh, pourquoi? Pourquoi c'est... Pourquoi ai-je une vie sociale? Je ne pourrais pas être juste un de ces nombreux gars qui a tout simplement, qui vit en ermite? Salut Hubert. Les mineurs ont accepté de retourner travailler, mais j'ai dû doubler leur salaire. Quoi? C'est de l'argent en moins pour nous deux? Les mineurs travailleront peut-être plus dur maintenant que nous les payons assez pour survivre. Jetez des miettes à un chien et il vous en demandera toujours plus. Je tiens une affaire, pas un chenil. La partie affaire est discutable. Je vous excuse pour cette fois, vous n'y connaissez rien. À l'avenir, laissez-moi m'occuper de l'argent. Vous, occupez-vous du danger. Et voilà, 5 petits points pour Varric.